L'heure est grave. Un crime atroce a été commis au château Mille. Imaginez un château au bord de la mer. Un meurtre sanglant a eu lieu. Il va falloir démêler tous les mystères orthographiques de cette sombre affaire pour savoir qui est victime de cette horrible agression et qui a commis cet abominable crime. Je compte sur vous. Était présent ce soir-là au château le colonel Kurtz, un militaire séduisant, jeune, beau garçon, sans argent. Mademoiselle Pluche, la dame de compagnie de Madame Mille, une jeune femme solitaire et séduisante. Monsieur Pluche, le père de Mademoiselle Pluche, qui a perdu toute sa fortune au jeu. Le docteur Berthelot, le médecin de la famille Mille, était présent également au château ce soir-là. Madame Mille, la richissime héritière, dont le mari était parti pour une semaine. Les objets qui ont pu servir pour cet abominable crime, voici la corde, les ciseaux, le chandelier et les pinces. Au cours de cette enquête, n'oubliez pas de valider vos déductions en étant bien attentif à toutes les preuves orthographiques. L'effet de cette sombre affaire, on l'a retrouvée allongée près de la cheminée, respirant à peine. À votre avis, la victime est-elle un homme ou une femme? Les derniers mots de la victime, entendus par les témoins. Comment êtes-vous rentré? Vous êtes bien impoli. Vous, je savais que vous étiez dangereux et mauvais, mais je croyais que vous, au moins, étiez plus raisonnable, plus désireuse de bien faire. Non, au secours! À votre avis, combien y a-t-il d'agresseurs? Voici ce que les témoins ont précisé après avoir entendu par les policiers. Le premier témoin s'exprime ainsi. J'étais trop ému pour identifier les voix. Le second témoin affirme. Malheureusement, je suis arrivé un tout petit peu trop tard. Le premier témoin est-il un homme ou une femme? Et le second témoin est-il un homme ou une femme? Un objet a été retrouvé près de la victime. Voici comment il est décrit. Marron, ou peut-être rouge, sanguinolent, ça veut dire plein de sang. Quelle est l'arme du crime? La corde, le chandelier, les ciseaux ou les pinces? Voici les premières hypothèses que nous pouvons élaborer. Vous devez supprimer tout ce qui ne peut pas être vrai. Parmi les victimes, nous pouvons avoir le colonel Kurtz, Mademoiselle Pluche, Monsieur Pluche, le docteur Berthelot ou Madame Mille. Parmi les agresseurs, nous pouvons avoir le colonel Kurtz, Mademoiselle Pluche, Monsieur Pluche, le docteur Berthelot ou Madame Mille. Parmi les témoins, colonel Kurtz, Mademoiselle Pluche, Monsieur Pluche, le docteur Berthelot ou Madame Mille. Les armes, cordes, chandelier, ciseaux, pinces. À vous de mener l'enquête. Parmi ces premières hypothèses, nous pouvons barrer des hypothèses fausses. La victime est une femme. On l'a retrouvée allongée et eux, près de la cheminée. Il y a deux agresseurs, entrée et S, impoli IS. Il s'agit d'un homme, dangereux EUX, mauvais AIS, sans marque du féminin, et d'une femme, désireuse E. Donc les agresseurs sont un homme et une femme. Le premier témoin est un homme, ému, U, sans E.
Le deuxième témoin est un homme, arrivé et sans eux. L'arme du crime sont des ciseaux, sanguinolents, marque du masculin pluriel. La victime est donc Madame Mille ou Mademoiselle Pluche. Les témoins sont à identifier parmi les trois hommes. À ce stade de l'enquête, tout le monde peut faire partie des coupables. Continuons donc notre enquête. Dans la cheminée, nous avons trouvé une lettre déchirée. Vous devez la reconstituer pour savoir qui l'a écrite et à qui elle est destinée. À vous. Voici la lettre reconstituée. Cher colonel, son mari est absent. Ses bijoux sont dans le coffre bleu. C'est très facile. Ces informations sont à détruire. Vous pouvez donc résoudre cette énigme. À vous. Voici la résolution de cette énigme. L'agression de Madame Mille a été commise par le colonel Kurtz et Mademoiselle Pluche, armés des ciseaux, afin de lui voler ses bijoux. Bravo, chers enquêteurs. Vos connaissances grammaticales et orthographiques vous ont permis de résoudre cette terrible affaire. À bientôt.